Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de The Outer World. Attendez, faut que je fasse un truc de bien. Voilà, on va faire comme ça. Ça m'a l'air très bien. Salut Louviane, comment vas-tu? Alors j'ai une question à te poser, Louviane, une question très importante. Au demeurant, ma question est simple. Alors, inné ou acquis? Voilà, ça va être mon gimmick. Inné ou acquis? Alors, bon, on est parti. On est parti pour jouer aux jeux vidéo. Voilà, on est parti pour jouer. Alors, inné, rien à faire. À qui veut bien l'entendre? Oh là 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 là. Alors, mais quelle blague de la part de Louviane. Voilà. Quelle blague de Louviane. Bravo, bravo. On te félicite. C'est dommage que on soit pas plus nombreux à pouvoir profiter de cette blague. Parce qu'elle était ô combien intéressante. Ô combien drôle. Très très drôle même. Je propose qu'on refasse, on refera ça. Comme ça, tu la rediras. Et les gens diront, mais qu'il est drôle, qu'il est drôle, Louviane. Bon, du coup, petit stream cette fois-ci. Hein. Petit stream, on s'arrêtera à les 21h aujourd'hui. Puisque des contraintes m'empêchent d'assurer les 3 heures de stream réglementaire. Je sais, vous êtes triste. Moi aussi. Mais il faudra faire avec. Et du coup, je dis, il n'y aura pas de stream. Normalement, on avait prévu un stream multi avec Yves, hein, bien sûr, sur We Were Here. Malheureusement, suite à d'autres prérogatives, il n'y aura pas de stream coop. Je sais, vous êtes triste. Vous êtes triste aussi. Mais c'est pour mieux revenir. Ah, regardez, nettoie. Ah, quel beau jet. Quel beau jet. Ah non, rage quitte pas, Louviane. T'es la seule personne qui me regarde. Ne rage-quitte pas, s'il te plaît. Tout, mais pas ça. Alors, on a été où des quêtes? Rosewood, pleine dents. Ah ben voilà, on devait faire ça. Rosewood, let's go. Putain, allez, me parle pas de cette énigme. J'en ai fait des cauchemars. Si je vois un pont avec des planètes, des trucs comme ça. Ah, par contre, je suis lourd. Je suis trop lourd. Il faut que je me débarrasse de merdouille. Je croyais que j'avais vidé des trucs. Alors, trier par poids. Merde. Poids. Ah, qu'est-ce qui est lourd? À part mon humour. Ça, c'est pas lourd. Punaise, je sais pas quoi acheter. Ça, j'utiliserai pas. Non. Ah, démanteler. Le poids. Et ça, je pense que j'utiliserai pas les armes de cac. J'en gardais quand même une. Ça, ben, contre ça, je vais bien utiliser. Tu vas jamais finir à ce temps. Pourquoi? Quelles sont tes prérogatives, Louviane? Est-ce que... Pourquoi il faut que tu le finisses à une durée précise.
Ça, putain, mais c'est bien. Bon, je pense que j'en relouterai. Ça aussi. Putain, mais. C'est ouf, hein. Arme de poing. Ça, je peux le virer. Ça aussi. Ça, c'est une arme scientifique, on la garde. Pouah. Ça, je peux le. Ah, ouais, c'est ça en fait qui pèse super lourd. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Et là, normalement, je suis déjà mieux. J'avais 2 mois d'abo pour 2 euros et ça finit le 4 novembre. Ah ouais. Mais après, le jeu est pas si long que ça, Louviane. Hein. Franchement, il y a Luco justement qui m'a dit. Qui m'a dit 25h, 30h, il avait fini sa première run. Hein. Du coup, en farmant un petit peu, il y a moyen de pouvoir le finir. Alors, je prends qui? Tac, tac. Ah, il manque deux compagnons encore. Donc, je pense qu'il y a moyen, franchement, de le faire. Hein. 5 jours. Je sais pas si t'es en vacances. Je sais pas si t'as. Si tu travailles durement. Je vais mettre un peu le ventilo parce que j'ai. Il est presque chaud, dites donc. Alors, j'ai toujours pas mis en 60 FPS. Hein. Mes excuses. Mes plus plates. Un bois de cuir. Et bim, le boa. Le boa qu'on appelle aussi Rocky, hein. Rocky le boa. Et on dit d'ailleurs même à bas le boa. Et merci Beowulf pour le host. Comment ça va? En ce bon mercredi. Alors ça joue à quoi? À quoi que ça jouait? D'ailleurs, comment s'appelle ta communauté? J'ai jamais demandé comment s'appelle ta belle communauté. Je suis plus tout jeune, les longues sessions, c'est difficile à mon âge. Mais je crois que t'es plus jeune que moi, Beowulf, en plus. Voyons, Beowulf. Attendez, c'était bien, on était bien sur la quête. Grosse web pleine dents, voilà. Beowulf. C'est les porcasses! Ah, les bons gros porcasses! Eh bien, salutations les porcasses! J'espère que vous allez bien! Alors, qu'est-ce que ça a fait de beau? Ah! Un petit emote de porcasse! Alors, c'est marqué quoi? Qu'est-ce qu'ils disent, porcasse? J'ai du mal à le voir sur mon dashboard. Dofus Porchalu. D'accord. Ok, mais il est bien classe cette emote. Bien, bien classe. Et du coup, pour ceux qui nous rejoignent, on est sur Outer Worlds, le RPG d'Obsidian qui se veut être un Fallout New Vegas version 2019. Je pense on est à la moitié du jeu, j'ai l'impression. Le jeu n'est pas excessivement long. On m'a annoncé une trentaine d'heures de jeu, 25-30 heures pour une première run. Donc le jeu n'est pas très très long. Et du coup, ben voilà, on est à peu près à une quinzaine d'heures de jeu, un peu moins. Et on est arrivé sur Roswell. Alors pour vous faire un petit synopsis, un petit récapitulatif de nos aventures, on a été dans un vaisseau, l'espoir, qui avait plein de colons cryogénisés qui devaient arriver ici. Malheureusement, il y a eu un incident et la plupart des colons ne sont pas réveillés. Comment ça, vous avez dit Mass Effect Andromeda? Mais non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Nous, on a été un de ces colons qui a été sauvé par le professeur Phileas. Et pour le moment, on navigue sur les colonies. Alors, quel est notre but?
Bah, j'ai encore du mal à le dire. Hein. Est-ce qu'on a vraiment une mission de sauver le monde? Oui, mais pour le moment, c'est pas vraiment nos priorités. Hein. Et salut Alberic, salut Yabobo, comment ça va? Et toi, du coup, t'as fait quoi, Beowulf, pendant ce stream? Donc, c'était sur du Dofus, je suppose. Hein. If you've come to end my life, let's be on with it. Oh, not actually one of them, are you? Si vous êtes là pour me tuer, je vous demande de faire vite. Vous êtes Anton Crane? Non, c'est vous qui avez envoyé l'appel de détresse? Ah, Yes, voilà. yes. Anton Crane, lead scientist here. Eh I ben, must écoute, apologize if my Beowulf, calls ça va hurt you. très bien. I may have panicked. Très très bien. Everything's under control now, though, truth be told. Il y a pas mal de bons jeux qui vont sortir très bientôt. Bah déjà, il y a Jedi Fallen Order que j'aimerais bien faire. À voir s'il est dans l'Origin Access première. Il y a Death Stranding, mais je pense que je le ferai sur PC. Il y a Luigi's Mansion 3. Il y a plein de bons jeux. Du coup, bah, moi ça va quand je vois des bons jeux. Ça va. Ah, la quête des donjons et des succès 50-100. Ah, nickel. Moi, c'est vraiment ce que je préfère dans Dofus, c'est les donjons. D'ailleurs, j'ai commencé à faire quelques donjons pour les succès. Scarfeuil et j'ai fini le donjon squelette. Donc j'y vais petit à petit, mais c'est vrai que c'est très agréable. Et salut Gwen, comment ça va? Qu'est-ce que tu dis de beau? Alors attendez, parce qu'il faut que je remette dans le dialogue. Il a cédé à la panique, mais tout est à nouveau sous contrôle. Sous contrôle, je n'ai pas l'impression, non. Qu'est-ce que vous cachez? I'm not at liberty to discuss the nature of the work I'm doing here. Suffice it to say that its importance to me, to the colony, is immeasurable. Ah, tu t'amuses à Clean Outer Worlds, mais putain, on joue au même jeu, dites donc. Après Gridfall, Outer World. Bon. Est-ce que ça voudrait dire que j'ai une communauté, enfin, des viewers de qualité? Je pense, oui. Du coup, t'en es où, Gwen? Bien sûr, sans spoiler, hein. Et déjà, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est un peu le jeu, un peu, on va dire, un peu polémique, en tout cas, qui est très clivant, hein. Où tu l'aimes ou tu le détestes, quoi. Du coup, j'ai envie de savoir ton avis. Mais pourquoi avoir annulé l'appel de détresse? My research may not quite fall within legal parameters, so I'm under orders to maintain wireless silence. However, having your head used as target practice can addle one's thinking. I cut the call immediately once I'd gathered my wits. The Home Office can't know what's happening here. Tu y es depuis la sortie à 1h du matin. Ah ouais, du coup tu l'as bien pensé, hein. Ah, Louviane est tiède, hein. Toujours à se faire remarquer, Louviane. Hein. Bien sûr. Tu dois être l'un des seuls qui a peu tiède, je crois. J'ai rencontré. Je vais demander un autographe. Je trouve qu'il est goldé, ce qu'un Fallout 4 a dû être, mis à part la différence d'univers. Bah oui, après moi. Alors, si je voulais être totalement honnête, c'est peut-être le reproche que je ferais à ce jeu, c'est que voilà. Tu joues à ce jeu, t'as l'impression de jouer à un Fallout 5, quoi, limite. Et c'est vrai que j'aurais aimé peut-être. Alors, Lucos m'a dit que pour le moment, j'étais au début et que ça viendrait par la suite. Mais pour le moment, j'ai du mal à saisir en tout cas son identité propre. Que ce soit au niveau du gameplay, mais même de l'univers, quoi. Par exemple, Sam, ben, il me fait penser à comment il s'appelle? Le petit droïde de maison qu'on avait dans Fallout 4 par exemple. Et du coup, bah, tout me fait penser plus ou moins à Fallout, même les objets quoi. Tout est peut-être trop similaire. Alors j'aimerais bien voir cette patte Outer Worlds. Et pour le moment, je l'ai pas encore. Intimidation, bien sûr, je vais intimider. J'ai pas monté mes points pour rien. Hein. Dites-moi exactement ce que vous trafiquez ici ou je leur annoncerai la nouvelle moi-même. Captain's got your best interests at heart, mister. Ça fait de l'XP en plus. I suppose it can't hurt. If I don't get that research back, my life is over, regardless.
We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Je vous laisse, je vais manger. Ben, bon appétit, Beowulf, et encore merci pour le host. Très très sympathique de ta part. Et ben, du coup, bon appétit. Ben moi, alors, tu vois, même ça, au niveau de ça, par exemple, le Spacer Choice, ça te fait vraiment penser à... Comment il s'appelle ? À Volt Tech. Tu vois, tout fait penser... Voilà, t'as l'impression que c'est une... Ils avaient une voiture, ils l'aimaient beaucoup, du coup, ils l'ont juste repeint. Ça veut pas dire que la voiture est dégueulasse, mais ça reste quand même la même voiture. On nous a chargé de concevoir un gel dentaire. Tout ça pour du dentifrice ? One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? Ah non, mais après, moi, c'est plus que des similitudes, quoi. Tu vois, c'est... Je m'attendais quand même à une petite part d'originalité, quoi. Et là, c'est vrai que... Moi, ça me dérange pas parce que... Honnêtement, parce que ce qui m'importe, c'est la qualité intrinsèque du jeu. Pas forcément que ce soit forcément novateur. Mais si on voulait vraiment être honnête, c'est vrai qu'on pourrait reprocher ça. Et je comprends les gens qui le reprochent, en tout cas. Et d'ailleurs, bon, il y a quand même beaucoup de références. Notamment, tu sens qu'aussi, il y a une petite... un petit côté Borderlands, que ce soit au niveau alors peut-être de l'humour, même si l'humour est quand même assez différent dans Borderlands, mais en termes de gameplay, t'as le fait d'avoir les petites lumières bleues pour dire ce que tu peux looter, pareil pour les portes. Il y a pas mal de similitudes, peut-être un peu trop, je sais pas. J'attendrai d'avoir fini le jeu pour avoir un verdict. Un verdict définitif, mais pour le moment c'est ce que je ressens. T'es pas d'accord avec moi ? Bannissez-moi ça ! Non, mais après, chacun a son opinion. Pour le moment, moi c'est ce que je ressens. Après, j'ai pas autant. Attends, je te montrerai. Faut jamais régler l'importance d'une bonne hygiène. Je vous en prie. While doing research on enzymes, c'est sur les petites caisses, les petits conteneurs. Tu verras ce que je veux dire. Je pense que t'as pas compris ce que je veux dire. Que nous étions en train d'étudier les enzymes digestives, nous avons développé un additif qui peut être un coupe-faim. Du dentifrice amincissant, pardon. Not just any diet toothpaste, the ultimate diet toothpaste. Ça ne vaut pas la peine de mourir pour ça, mais c'était le carburant pour fuser. Et qu'est-ce que vous attendez de moi ? Parce que là, il faut que ça avance. Hein. Ah, super. Éliminer les simples d'esprit, récupérer la recherche compris. Vous voulez que je m'occupe des rapidons aussi ? Des raptidons ? Yes. But don't kill the mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. Ben donne-moi les. The lab's entrance is on the side of the hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original. Ah, c'est bon, mise à donner. By the grand architect, Jameson. He's in the old lab. Mais je vous montrerai. Je pense que ça sera plus simple. Du coup, qui est Jameson ? My protégé. I sent him to retrieve some. Mais je crois que je l'avais déjà évoqué sur ce stream. And I forgot him. Je vais le retrouver. That would surely lighten the weight on my conscience. D'accord. Putain, si on lui demande pas qui c'est, il nous donne pas la quête. Ça, moi, par contre, ça se trouve c'est un bon point. Que les quêtes, elles se déclenchent uniquement en parlant au personnage et pas parce qu'il y a un point d'exclamation. Il y a déjà eu trop de victimes. C'est ça qui vous chagrine, l'impact que ça aura sur vous ? I'll thank you not to mistake my ambition for callousness. Bah si, parce que ça c'est une feature qui est présente dans tous les Borderlands. Et je pense qu'ils ont
qu'ils ont adapté de cette feature sur Borderlands. Pareil pour l'humour, ils voulaient vraiment un côté Borderlands. En tout cas, moi, ça m'a fait directement penser à Borderlands, quoi. Donc, je suis peut-être ambitieux, mais pas insensible. Ambition qui me rarement avec compassion. If my colleagues refuse to take their lives seriously, bah, why should si. I? All they do is complain. They refuse to see the opportunity afforded us. Si, c'est la même feature, c'est quoi ça s'appelle? C'est une indication graphique te dit ça tu peux le looter, ça tu peux pas le looter. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Marquez un point, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Je voulais vous entendre. Ok. Après, bon. Sur l'univers, regarde ça. Ça, le truc qui est bleu qui dit ça, tu peux l'ouvrir. C'est totalement Borderlands. Hein. Et c'est encore plus le cas. On le remarque plus sur les petites caisses. Hein. Après, je dis pas que c'est pas bien. Hein. Mais ça aussi, c'est. C'est une influence forte, j'ai l'impression, Borderlands de ce Outer World. I don't know about Dr. Crane's research, but we ought to find Mr. Jameson. He's gotta be all alone and scared. Ok, donc on va se rendre. Tac, on va quitter déjà la zone. Et on va se rendre à ce laboratoire. Mais on parle pas de ça, Gwen. Je pense que c'est pour ça. Faut que je te montre concrètement. Parce que je pense qu'on parle pas de la même chose. Ou alors j'ai pas compris ce que tu veux me dire. Ah non, bah après, bon. Attends. Sur les caisses comme ça, avec le truc bleu quand c'est looté. Bon, je veux bien être très du genre à accorder le bénéfice du doute, mais pour moi c'est plus qu'un heureux concours circonstance, quoi. Et il y en a sur certains, c'est tellement évident, quoi. Non, c'est pas le modèle de la boîte, c'est pas du tout le modèle de la boîte. Au contraire, c'est pour moi, c'est pour ça que c'est une feature. Regarde, là tu vois. Là, t'as le truc bleu. C'est une features. Et dire que c'est le modèle de la boîte, c'est. Pour moi, c'est bullshit, quoi. Hein, Matt ? Parce que justement, t'as le même système sur les portes. Et d'ailleurs, même sur les coffres. Quand un coffre est crochetable, c'est rouge. Et quand tu l'accèdes directement, c'est bleu. Et donc, tu peux pas dire que non plus, c'est uniquement lié au modèle des boîtes. Ah non, bah. Il y a de nombreux coffres qui n'ont pas les indications de ce qui est lootable. De manière visuelle. Ah si. Ah non, mais tu rigoles, Gwen, quand tu me dis ça. Bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Regarde là le truc bleu. Putain, mais comment ça se fait que je me fasse toucher? Je suis pas d'accord là. Pourquoi je peux pas tirer? Pourquoi je peux pas tirer? Pourquoi je pouvais pas tirer par contre? Il y a un entourage dans le Deus Ex HCR, c'est Human Revolution, c'est ça? Mais ils sont sortis bien après les premiers Borderlands.
qui a plus une vibe près que Borderlands. Attendez, je vais peut-être changer d'arme. C'était quoi mon arme que je voulais? Ah voilà, ça c'est ma super arme. Ça dégage. Ils m'ont pas entendu, hein? Ah si. Je vais changer d'arme. Je rechange d'arme. Attends, pourquoi je peux pas tirer? Attendez, par contre, là il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi je peux pas tirer? Pourquoi je peux pas tirer? Attendez, mais. Vous avez pour... Là, il y a un truc qui va pas. Pourquoi je pouvais pas tirer? Est-ce que quelqu'un a une explication de ça ou pas? La portée de l'arme. Ah, ok. C'est la portée de l'arme. Donc, je vais reprendre mon petit snipe. Moi, qui n'est pas un snipe à l'origine. J'ai juste mis une petite. Un petit système de visée. Qui est bien sympathique. Tu as pas ça. Bah, on regardera. Après, je suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Parce que. Pour moi, ça me paraît évident. Et du coup, vous me dites tous que non, je dis de la merde. Ce qui est possible. Hein. Mais c'est que ça me perturbe. C'était ton snipe pendant 50% de ta partie. Ah nice. Bon ça veut dire que j'ai bien fait de le prendre. Mais j'ai hésité hein. J'ai hésité, je me suis dit bordel, si ça se trouve, je vais trouver une meilleure arme. Mais ce module en tout cas il est bien cool. Alors ok, donc on va passer par ici. Ouais. Parce qu'il faut trouver Jefferson. Bah, je sais pas si c'est vieux comme le monde, mais tu crois on le voit pas dans tous les jeux, hein, loin de là. Par exemple, dans Fallout, ça existe pas quoi. Alors, marchand, vendre le rebut. Alors. Vendre. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ça, je pense pas que j'utiliserai. C'est bug Tesda. Certes. D'ailleurs, j'ai vu Tezo. C'est encore la merde. Ils ont pas de chance, hein. Moi, bon, pas de chance. Je sais pas si c'est le meilleur mot, mais en tout cas, ouais. Ça, putain, mais c'est super. Ah non, c'est pas tiré par poids. C'est pour ça. C'est. Ah, par contre, là, il y a des trucs qu'on peut mettre. Hein. Niveau 8. Niveau 9. Je suis à combien en termes de poids? J'aimerais bien savoir. Ça, je peux l'enlever. Ok. It's space choice. Ouais, bleu, vert ou bleu, ouais, c'est ça. Alors, réparer. C'est en bon état, bon état. Ça, je vais réparer quand même. Ça aussi, je vais réparer. Hein. Mais je répare tout. Armure, je répare. Alors, bricolage. Les armures, est-ce que... Tiens, qu'est-ce que je porte moi? En armure, ce serait bien de le savoir. Ah putain, mais j'ai que cette vieille armure. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'aie cette vieille armure? Piratage plus 7. Ouais, c'est du caca. Hein. Voilà, je vais porter ça. Je vais essayer d'améliorer ça. Alors, kit compétences. Améliore vos compétences d'armes à distance. C'est pas mal ça. Diplomatie. Non. Compétences de technologie. C'est bien ça, technologie. Ouais, je vais mettre ça.
Sac à dos. Mais sac à dos, ça me plaît bien. Vu que j'ai un peu de merde à transporter. Ça a jamais été bus au volant. Bah peut-être. Bah, après ça. Oui. Ça, je peux te le concéder. Hein. Vert, bleu. Hein. Vérifions, mais très important. Non, après, voilà, casse-toi pas la tête. Hein. C'était juste une remarque que je m'étais faite. Et ça se limitait à ça. Alors, le terminal. Bienvenue, Helan. Nous rapetidons, ça montre la poids de problèmes qui relèvent de l'intime. Ces derniers ne semblent pas se manifester par le biais de la procréation. Selon toute vraisemblance, son comportement logique du raptidon commun semble être d'assurer la survie de son espèce en massacrant toutes les autres. Hein? J'ai formé une seconde hypothèse, cependant, pour une raison que j'ignore, ces raptidons refusent tout simplement de se reproduire. Si vous lisez cette lettre, vous êtes un suppôt de l'odieuse et perfide faction tyran qui se cache sous le nom de Conseil. Soit l'un de mes hommes qui rêvasse au lieu de patrouiller. Premier. Sachez que les jours de votre règne totalitaire sur la colonisation sont comptés, tandis que le jour du jugement approche. Je vous conseille de peser les mots gravés sur le piédestal d'Ozymandias et de réfléchir. Second, je dirais tout simplement retourner à vos patrouilles, bande de crétins. Vous devez faire quelque chose au sujet de Reuben, il n'arrête pas de s'occuper de mes raptidons. Quand aujourd'hui il est venu demander de renforcer la sécurité de l'enclos au cas où Roswell sera la proie d'une attaque de brigands et dehors à la loi. Vu du secret qui entoure notre opération, je doute fortement que nous puissions être la cible de bandits de grand chemin. Ok, donc ils n'ont pas suivi les préconisations. Dans des modes de Doom. Ah, bah des modes, mais des dames. Ah, voilà, ça y est, ça peut pas s'empêcher de parler de Doom, Alberic. Hein. Ça, j'en étais sûr. Hein. Ah, putain. Putain, il y a une grosse bête. Ouais, mais le problème, c'est que je. Alors. Tiens, ils sont nombreux. Je vais faire une sauvegarde. C'est pas que j'ai peur, hein. Putain, mais j'ai pas la bonne arme. Allez, bim, ça dégage. Ah, je suis un peu fier de moi. Je suis un peu fier de moi. Je pensais que c'était plus dur. J'ai bien géré. C'est un moment où j'avais crash kit le supernova. Le supernova, c'est une arme. Une des fameuses armes scientifiques qu'on doit récupérer. Attends, ou alors. Ah non, supernova, c'est pas l'arme que j'ai. Si, c'est l'arme que j'ai en fait. Non, ça, moi j'ai le matraille. C'est quoi le supernova? Attendez. Ah, j'ai le rayon rétrécissant, mais il m'en manque une, d'ailleurs. On va fouiller tout ça. Des petites viandes. Ah, le mode de difficulté maximale. D'accord, ah ouais. Putain, mais j'ai que des armes. Quoi? Mais quelle idée de jouer en supernova. Et du coup, c'est si dur que ça, supernova? Ah ouais, d'accord, je vois tout ce que tu me dis, ouais. Ça va être chaud. Après, quand tu connais bien le jeu, ça doit être un peu plus abordable, hein, c'est comme tout. En tout cas, pour une première partie, ouais, c'est culotté. Et par contre, un truc qui est bien, c'est que justement,
Tu peux changer de niveau de difficulté à n'importe quel moment. Et ça, c'est plutôt cool, faut bien l'avouer. Parce qu'imagine, j'ai recommencé tout. Quelle horreur. Ouais, il faut utiliser la dilatation temporelle. Alors, moi, je l'utilise, mais. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de boosts pour la dilatation temporelle. Lire alerte de sécurité automatisée. En cas de détection d'une faille de sécurité dans le périmètre du repositoire. Parler de l'arme la plus proche et poser la limitation de votre cheptel. Ouais. D'accord, j'ai activé la clôture. Je sais pas si c'est utile. Après, il me propose de l'activer, je vais l'activer. Hein. On sait jamais. Ah, bah après, la création de perso aussi, c'est toujours. C'est toujours quelque chose de complexe parce que tu sais pas en fait ce qui est utile. Moi, au début, j'étais parti sur. Comment ça s'appelle? Sur arme longue, arme distance, et je me suis rendu compte qu'en fait la science était overpower quoi. Et là, du coup, j'essaie de maxer énormément la science. Parce que la science ça booste tout ce qui est santé, les dégâts, c'est. Je trouve que c'est un peu overpower. Ah, si on sens dès que t'es niveau 10, ça veut dire déjà donc 10. Ah, bah, à rigueur 10. Attends, si, attends, attends. Bah, c'est ouais, c'est possible, science. Hein. De toute façon, t'as 100 points de caractéristiques. Hein. Si tu mets tous tes points. Là-dedans, ouais, tu sais, c'est pas non plus. C'est pas non plus impossible, quoi. Attendez. Putain, je l'ai loupé, quel connard. Attendez, je me cache. Je suis caché. Je suis caché. Caché. Je suis caché. J'ai même plus en furtivité. Hein. En furtivité, je dois avoir. Bah, furtivité, j'ai 36. Voilà, je prends la valeur la plus basse avec les bonus, je suis à 47. Attends, s'il se rapproche. Putain. Trop bête. C'est vraiment mal joué, hein. Attendez. Ah putain, j'oublie chaque fois de les désactiver. Putain, il m'a esquivé. Dégage. Bon, ça va, on s'en sort pas trop mal. Ah. Putain, les Vicar Max, qu'est-ce qu'il fait? Ah, non, ah bon. Je l'avais pas vu. Ouais, mais après, c'est pas possible. Je crois que j'ai pas assez d'emplacement de mode pour mettre un silencieux sur le sniper. Parce que justement, j'ai mis le chargeur et j'ai mis c'est la visée sniper. C'est pas un sniper à l'origine. Ah, je sais pas si je peux le mettre. Je suis pas convaincu. Du tout même. Mais pour le moment ça va. Après oui, le silencieux ce serait mieux. Mais je crois que j'ai qu'un mode de silencieux. Donc pareil, j'hésite à. Je sais pas trop sur lequel le mettre. Bon, ok, on avance. En tout cas, moi, franchement, j'aime bien le jeu. Il y en a beaucoup qui disent que la direction artistique
est moche de ce jeu parce que visiblement il y a un, il y a un petit filtre qui est mis qui rendrait dégueulasse le jeu. Je suis pas du tout d'accord, franchement, je trouve le jeu très beau. Conduite ventilation. À quoi ça me sert d'avoir découvert le conduit de ventilation? Ah, c'est peut-être pour s'introduire. Attends, j'ai quoi? J'ai ça, j'ai carabine. Et j'ai le fil. Ah ouais, j'ai le truc rétrécisseur. Alors je l'utilise pour le fun. Et après, je sais que j'aurai des nouvelles armes, je pense que je vais changer. Non, de toute façon, j'ai tout équipé, ouais. Ouais, non, après, je vais prendre le lance-plasma. Celui-ci. Quand je serai niveau 15. C'est les gens qui sont dégueuillards. Ouais. Bah, il y a beaucoup de rageux, hein. Beaucoup de rageux. Non, mais on peut pas dire que le jeu est moche, quoi. Attendez, est-ce que je peux. Est-ce que j'ai oublié un truc ou pas? Je peux l'utiliser? Attends. Comment ça se fait que je peux l'utiliser? Attends, tu me dis que je peux utiliser par exemple ça. Ah, niveau 15. Tu veux dire que c'est le niveau de là? Tu peux utiliser. Ah! Attends! Dis-moi pas que c'est pas vrai! J'ai combien de bricolage? C'est où? C'est où bricolage? Ah, c'est dans science, d'accord. Ah bah non, c'est pas très précis tout ça. C'est pas très précis, hein. Science, putain, alors est-ce que je lirais mal les compétences? Oui, sans doute. Coût de bricolage. Moins 50 permet d'améliorer vos armes. Hein? Ouais, je vois les établis, oui, tout à fait. Attendez, je peux utiliser. Quoi cette arme? C'est quoi cette arme de merde? Ah non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, attends, par contre, attendez. Change d'arme. Eh putain, il est défoncé. Ah non, c'est pas mal pour quand il y a pas mal d'ennemis, ouais. Mais non, c'est pas de la merde. C'est une utilité très particulière. Mais par contre, je sais pas si c'est indiqué que je peux utiliser des armes d'un meilleur niveau que moi. Ça c'est... Attendez, parce que est-ce que j'ai pas mieux 6? Parce que là, ça change tout. C'est pas indiqué que tu peux pas l'utiliser non plus. Ah bah oui, alors forcément. Vu comme ça, c'est vrai que c'est pas idiot. Hein. Non mais par contre, il pourrait le dire que tu peux utiliser, je sais pas. Ou alors mettre un niveau d'objet à la rigueur, quoi. Faire distinction. Parce que tu vois niveau 16, tu dis c'est le niveau à lequel tu peux l'utiliser. Rose, ouais. Je suis où, moi? Ouais, je suis quand même assez loin du... Bah, attends, y a... Là, je l'ai vu. Putain, je l'ai pas uniqué. Putain, je l'ai pas eu. Mais quand même.
That's good. Tu peux EP jusqu'à 5 levels au-dessus quand tu bricoles. Ouais, mais oui, j'entends bien ce que tu me dis. Mais bon, c'est pas très clair. Why'd they have to build the lab so damn far away? I guess the trek alone is meant to deter the curious. On est d'accord que c'est pas très clair. Moi je savais pas, pourtant j'ai 15 heures de jeu quoi. Est-ce que ça veut dire que je suis nul? Non, je ne crois pas. Ah là, un petit coffre. Regardez. Bim. Antibiotique. Ah, j'ai compris la blague. Tati Cléo, antibiotique. Ah, c'est ça la blague. Ouais, ouais. Non, mais t'as raison. Après, moi, les conseils, ça va, oui. Je suis apte à avoir des conseils. Oh, putain, mais... Franchement, même ça, ça me fait penser directement à Fallout, quoi. Ah, là, je peux pas récupérer. J'aimerais bien qu'il y ait des petites batteries, s'il vous plaît. Des petites batteries, non? Est-ce que c'est grand, ce truc? Ouh, putain, c'est grand. Ouais, ouais. Et t'as raison, il faut que je la charge. Alors, comment j'ouvre ça? Ouvrir. Le laboratoire secret de Tati Cléo. Ça, je peux pas. Ben voilà. Une bonne chose de faite. Temps de chargement est immonde. Ah ben. Bonjour. Who the... You. Yeah, you. Get over here. Get over here. You care to explain what you're doing here? Did you miss the big sign outside? C'est Anton qui m'envoie. Vous êtes le responsable de la sécurité? That I am. Name's Porter. Doc Crane... Ah, j'ai fait tirer une balle, hein. Bad news is, we haven't been able to clean these outlaws out of the lab. Good news is, they haven't been able to escape, neither. Pire sécurité ever, quoi. Si bien compris, c'est statu quo, quoi. For now, I reckon they got no backup. On the other hand, we don't neither. And our mechanicals all went haywire for some damn reason. Damn mechanicals have always been more trouble than they're worth. Comment vous avez fait pour piéger les assaillants intérieurs? Il doit y avoir plus de SU possible. The garage and the front door are it. These bastards got in through the vent. Ah d'accord, pas conduire. They're not getting back out that way without a security key card. They need to take mine or make a new one in my office, I guess. Où se trouve votre bureau? Why you want to know that? J'ai besoin d'une carte d'accès. What for? Ah putain, j'ai pas cette persuasion. Vous avez fermé le circuit de ventilation, j'aimerais m'en servir pour prendre les hors la loi à revers. I'll give you points for brass. Can't risk ouais. It, though. If you die, they'll take your pass and escape. J'ai toutes mes dégâts en placement pour le moment, parce que je trouve que c'est le plus pété. Après, peut-être que je tombais sur des ennemis qui sont résistants. Après, je pourrais ouais, remplacer par exemple celle-ci et mettre une autre. Quoi. Bon, c'est pour te faire plaisir. Hein. Ah non, plutôt ça, voilà. C'est pour te faire plaisir. Hein. Uniquement. Échine d'officier. Excusez-moi. Des petites batteries. Hein, je fais que me fournir, ne vous inquiétez pas. Toi t'es qui? Toi j'ai pas envie de te parler. Donc là on peut pas y aller, c'est ça? Ouais. Et ben let's go, allons-y.
Alors, on va fouiller déjà ça. Donc là, on a une porte ici. Alors, on pourra peut-être l'ouvrir. Parce que j'ai l'impression... Ouais. Oh, attendez. Putain, mais ils me font peur, eux. Ouais, toi, t'es stylé, Parvati. Hein. Non. Non. Et quel connard. C'est bon, tout est sous contrôle. Avant de passer par ici, on va fouiller cette porte qui semble. Oh. Ah, c'est les chiottes, les gars, on a trouvé les chiottes. Salut Nakuromi, comment vas-tu? Mais moi, je prendrais le laser caca. Moi, j'aime bien le laser. De toute façon, moi j'ai mes potes. Hein. J'ai mes potes qui vont servir de bouclier humain. Est-ce que je peux ouvrir ça? Attendez, réfléchissons. Ouais, d'abord, je vais ouvrir ça. Donc c'est des cellules, ça, visiblement. C'est bizarre pour un laboratoire. Hein. On dirait plus une prison qu'une... qu'un truc scientifique. Alors c'est quoi ça? Un livre. J'adore lire. Monsieur Aïe. Journée difficile, toi. Bah, moi ça va. J'espère que ça ira mieux pour toi, Naku. Alors, installe-toi. On va essayer de te rendre cette journée un peu plus agréable. Par le beau skill que tu aimes tant et que tu as su retrouver sur ce stream. Putain, mais c'est que je crochète des trucs, c'est tout. Ah. Voilà. Tac, ça, j'ai récupéré ou pas? Oui. Oui, il nous reste ça. Encore un petit coffre. Bien sûr, qui est vide. J'adore. Well done. Bon, moi, ça nous fait gagner de l'XP. La récompense, je crois que c'est un... ce qu'ils appellent un... le rebut, quoi. Qui est destiné uniquement à vendre. Ah, je vais pirater. Terminal de contrôle des cellules de confinement, veuillez saisir une commande. Ça veut dire que vous aurez pu ouvrir tout ça d'un coup. Donc c'est les cellules de confinement. Très bien. Alors ça, attendez, il faut que je me repère. Ouais, on va essayer de crocheter. Ah ben voilà un établi. Un établi. Hop. Hop. Ah, de la batterie. Ah, ça, oui. C'est le genre de poubelle qu'on aime. Je peux pas récupérer les affiches, ouais. Il y a certaines affiches que je pouvais voler, récupérer, mais pas celle-ci. Tout à fait, l'établi Eto Spatio Bricolo. Il y a tout ce qu'il vous faut avec l'établi Spatio Bricolo. Bricolage. Ah ben voilà, je peux bricoler. Attends, bricolage. Ça veut dire que là je peux... Ah mais ça, quand je bricole, ça veut dire que j'augmente le niveau de l'arme. Putain mais... Oh là 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 là, mais quel débile! Modifier la bricolo. Alors, c'est quoi que j'ai? Chargeur plus, chargeur élec. Chargeur non. Gyrovue.
Bon, je vais peut-être démanteler des trucs, hein, parce que c'est pas tout ça, mais... Tiens, d'ailleurs, j'ai pas beaucoup d'armes de poison. Et ainsi, Drake a perdu tout son argent dans le bricolage. Et voilà. Donc, bon, la plupart des armes, je peux les virer, en fait. Ça, les armes de cac, j'utilise pas. Oh merde, je pourrais les donner à... J'aurais pu les donner à mes potes. Hein. Regardez, parce qu'elle a quoi, elle. Tiens. Une petite dague. Hop, vicaire. Il a quoi? Une arme longue. Oh oui. Arme de poing. J'ai un doute pour toi. En fait, dans les options, t'as quelque chose à désactiver pour que le jeu prenne en compte tes compétences dans le calcul des stats. Ah, intéressant ça. Alors, paramètres. Jouabilité. Non. IU. UI, dégâts des armes de base, c'est où? C'est où? C'est où? Stats d'objets de balle. Ah bah, c'est pas très clair. Afficher les stats des objets de balle. Du coup, je désactive ça. Attendez, mais j'ai pas bricolé le bon truc. Attendez. Mais j'ai pas bricolé le bon truc. Nick. Attendez, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Elle est où mon arme? Ah, bricolage. Putain, ça coûte super cher! Ouïouïouï. Ah ouais, putain, j'avais pas vu le prix, ça coûte super cher. Putain, je brûle la carabine, quelle erreur! Oh, quelle erreur! Mais ça me sert la carabine, hein. Allez, le sub est palpable. Verrouillage de sécurité. Le volume, le vol de volume sur terminaux est passif, ok. Très bien, on se tire. On se tire, les gars. Attendez, il y a quelqu'un. Ah non, mais d'accord, c'est une pote. Ouais, c'est une pote. Donc ça, j'ai fait. Très bien. On est méthodique. Mon arme. Celle-ci. Allez, là, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Hop. Et recherche Danton. Bah, je suis prêt à prendre mon lance-caca. Putain, je vois beaucoup de flèches rouges quand même. Hein. Je suis discret. Tuez-le. C'est bon les gars. Tout s'est passé sans problème. Ah, des batteries, merci. Ah, y a pas un truc derrière? Non.
Putain, y a... ah oui, y a les reptidons machin. Il y a des fuites, monsieur. Hein. Faudra aller chercher le plombier. Hein. Il y a des fuites. Ah mais mais allez-y pas! Arrêtez de me passer dessus. Merde. Les gars, je vous suis, hein, je vous couvre. Ils sont où? Aïe! Ah oui, il y a une compétence avec le Svav. Ah putain, j'ai pu utiliser ma compétence. Mon special skill, voilà, dans l'entrejambe. C'est un succès. Allez, il est mal. Il est mal. Voilà, c'est uniquement pour le succès qu'il faut viser l'entrejambe. Il y a un succès sur Xbox. Et avec le Svav. D'ailleurs, il a plutôt senti passer. Ah, attendez. Toujours à discrétion. Là, on peut descendre. Alors, okay, on va devoir faire finir cet étage. Hein? Ah, un distributeur. Nickel, je vais pouvoir vendre mon rebut. Ok, donc là on est où? Ok, on va faire le tour. Oh, c'est charmant, dites donc. Un petit briquet. Des munitions. Ah, c'est la petite cantoche. La petite cantoche. Le self. Un mur de soldats d'élite. Ah, une poubelle. Ah ouais, putain, il y a plein de trucs là, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'utilise pas vraiment les tout ce qui est nourriture. Hein. Vendre le rebut. Ah, ils ont quoi comme ouais, c'est nul. Ouais, nul. Nul. Nul à chier. Ah, par contre, les casques, ils peuvent être sympathiques. Science plus 3. 26. C'est quoi la différence entre les deux? Il y en a un qui a 290, l'autre qui a 580. On m'explique. Parce que 580, on est d'accord, et t'as. Comparer. Left stick. Alors. Légère bonus. Ah bah moi je prends la moins chère. Hein. Tiens, est-ce que j'achète ça? Bah moi j'achète le moins cher. Compétence furtivité. It's outer space. Voilà, maintenant je suis beau. Un petit réfrigérateur, rien du tout. Ok, ça on a fait. La map. Des petites cartouches. Docto, la monnaie. De l'argent. Allez, je prends ça aussi. Un petit... Ah, les adrénaux, maintenant on est pas mal. Hein. Le Raptidor. Garantie d'endormir même les plus gros Raptidons. Bien sûr, je prends. Ah, j'ai... Attends. J'ai mis à jour la quête, je veux bien. Éliminer la loi. Comment on fait pour...
Donc ça doit être une partie de la quête. Le sédatif. Ah mais il y a un truc que j'ai pas fait là, personne me l'a dit. Par ici. Ah voilà. Voilà. Je prends. Car elle est en état parfait, état plus 9. D'accord, ok. Mais moi, vu que je peux réparer, c'est pas gênant. Il n'y a pas de petite économie. Ah, examinons. Le coffre-fort a été ouvert de force, son contenu retourné et éparpillé de manière hâtive. Les notes qui restent mentionnent divers projets suspendus. Mais les précieuses recherches d'Anton restent introuvables. Les écritures le long du rebord témoignent de l'œuvre de voleurs peu délicats. D'ailleurs, la loi probablement a dû s'enfuir avec ses travaux. Un petit crochet. Ah, il y a le truc aussi à récupérer. Pardon, excusez-moi. Utilisez le terminal. À tout le personnel, veuillez gagner votre poste de travail. Merci de saigner. Message. Le dernier lot est très prometteur, Anton. Je sais qu'il ne faut jamais vendre la peau du raptidon avant de la tuer, mais j'oserais quand même dire que c'est une réussite totale. La fréquence d'apparition des carrés. Allez. A fortement diminué chez les sujets utilisant le dentifrice. Seuls des effets secondaires mineurs ont été observés. Rien de très grave, je vous rassure. De simples épisodes de cécité ici ou là. Est-ce que vous pourriez travailler là-dessus? Ok. Ça permet de faire une découverte fascinante. Réduit bel et bien l'information de Carrie. La différence avec la formule témoin est en réalité minimale. Nos résultats précédents ont été faussés par le fait que les sujets subissant une perte significative de l'appétit et mangeaient donc beaucoup moins fréquemment. Voilà. Plus sérieusement, les propriétés coupe-faim de la nouvelle formule ont un potentiel incroyable, même si le goût et la texture actuelle laissent un peu à désirer. Ne vous souciez plus de cette histoire de cécité. Je salue votre acharnement à tenter de résoudre le problème. Et permettez-moi de vous dire que vous trompez de combat. C'est un défaut, somme toute mineur au vu de l'ampleur des possibilités qui s'offrent à nous. D'autant plus en comparaison des problèmes de goût et de texture auxquels nous vous demandons de consacrer tout votre temps. Également sur nos objectifs réels concernant ce produit. Ses propriétés coupe-faim le rendent encore plus utile dans les bidonvilles que dans une grande agglomération comme Byzance. La possibilité de réduire les rations de nos ouvriers pourrait redresser sensiblement nos résultats opérationnels et notre département marketing consacre tous ses efforts dans cette direction. Je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais serait-ce dû au fait qu'ils ont rejeté notre proposition de nom Appetit Zap? Je pense qu'il vaut mieux laisser le marketing aux équipes marketing. Okay, donc voilà. On en sait plus. Donc ça c'est fi. Ça c'est fait. Du coup il fallait qu'on... Je me rappelle plus ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Donc ça on avait fait, ouais, c'était le... Ça on vient d'ici. Donc là il y a un truc au bout. On va aller au bout, hein. Au bout du bout. C'est quoi ça? Carré des cartouches d'Octo. Une mitrailleuse lourde, très bien. On a qu'à refaire le stock de potions. Encore un terminal. Alors. Ah putain, encore des messages. En soi, me veuillez pourtant assurer que les nouvelles rations étaient sans danger, mais j'ai observé un éventail de symptômes inattendus, des sécrétions normales toutes les après-midi entre 14h23 et 14h43. J'ai récupéré nos pièces automécaniques. Si je te surprends encore à shipper dans les réserves de maintenance, je vais t'envoyer un blâme tellement corsé qu'il te fera trembler les bureaux jusqu'à Byzance. On a déjà assez de mal à faire fonctionner ces saletés de machines. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Je devrais avoir une nouvelle dose de distillat concentré à te proposer ce soir. Si ça t'intéresse, on se retrouve à 17h. Pas très intéressant. Si ce n'est que voilà, il y a des effets secondaires. As dentifrice. Marteau impulsion, voilà, des batteries, nickel. Ok, donc on va descendre. Je fais la petite sauvegarde rapide qui va bien. Et là, attention, ça sent
La bagarre. Scientifique. Des batteries. Ah. Non, non, mais je vous connais pas. Hein. Arrêtez, arrêtez. On se connaît pas, madame. Donc là. Il y a la grande salle. Vous... Ah, mais elle est où? Ah. Ah, bonjour. Je vous avais pas vu. Comment ça va? Oh, good. You're not shooting at me. That's a start. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. Ah bah tu vas te prendre une balle dans la tête, hein. J'ai recherche de Crane et non. Anton m'a demandé de régler un problème et j'imagine que ce problème, c'est vous. Yes, I imagine he does. But we all have problems. It is the human condition. I am myself ensnared in this wretched place. You want to kill me. I don't want to die. Therefore, it is in my best interest to negotiate with you. Help me get out of here, and I will pay you for my life. Alors, vas-y, dis. Alors, je ne vous connais pas. Si vous voulez que je vous aide, vous avez intérêt à me remettre ces recherches. You're asking a great deal from me. This research is my only bargaining chip. Dans ce cas, vous avez une minute pour me convaincre, pas une de plus. The first thing I need is a key card to unlock my door. Then I'd need you to clear me a path. Sinon, je te tue, hein. There are two ways out. The quickest is through the front door, but Cleo security is bottled up in there. If you don't want to shoot them, I suppose you could talk to them. The other way out is through the loading bay, but you'd have to clear out the wraps for me. Then I could just slip out the back. Mais pourquoi je t'aiderais? Attends. Attends, tu doutais que vous lui avez volé ses recherches et vous avez même traité de simple d'esprit. Give me a little credit. We are not bandits. We do not steal. Eclipsia, vous êtes libéré. So a few scientists were caught in the crossfire. I will not be accountable for every idiot who wanders in front of my gun. Moi, j'ai pas envie de l'aider, hein. Vous avez dévalisé un laboratoire en laissant entrer le cadavre de chercheurs derrière vous. C'est la définition parfaite d'une bande de criminels pour moi. Semantics. If I were consigned to spending my days making diet toothpaste, I would pray for a bullet to my skull. Ces recherches n'ont pas l'air de vous intéresser tant que ça entre nous. Autant me les donner, ce sera plus simple. It is my one bargaining chip. If you want this research, you will help me out of this mess. Putain, j'hésite. L'autre qui nous a juste envoyé demandé d'envoyer chercher ses recherches parce que concernant son son dentifrice coupe fin, elle là ses recherches, elle a quand même tué pas mal de monde, hein. Je vois pas pourquoi je l'aiderais, hein. Je refuse d'être la messagère d'une espèce de oh la loi glorie. J'espère que vous allez me donner une bonne raison. Because Crane is a tool. Because no good deed goes unrewarded. Because doing me a good turn is the honorable and decent thing. Take your pick. Bon, sur le chat, vous en pensez quoi, vous? Qu'est-ce qu'on fait? On l'aide, elle, ou on est fidèle à Anton Crane? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'Anton est un pion? Crane is being used by Auntie Cleo. And now he is trying to use you. So what does that make you? Du coup, j'attends vos arguments. Quelqu'un qui ne se retrouve pas coincé dans le laboratoire sur terrain pour avoir perdu une... Crane est un brave type qui fait ce qu'il peut pour éteindre l'incendie que vous avez provoqué. Yes. We raided the lab, shot some guards. J'aime bien, Berek, ta façon de penser. On te propose deux choix, tu choisis le troisième, c'est fort. C'est très fort. Nous avons attaqué le labo, abattu des gardes, tué quelques scientifiques au milieu du chaos. Mais tout ça, c'était pour une noble cause. Les corporations se fichent éperdument de votre cause. Tout ce que vous détruirez sera reconstruit un peu plus loin. C'est pas idiot. Do you know what propaganda by the deed means? It means we set an example by our actions. Ouais, sinon je peux garder les recherches pour moi en fait. We send a message.
Et qu'est-ce qui vous fait croire que votre message sera entendu? J'essaie de me donner plus d'arguments. Parce que je suis encore un peu indécis. Come on now. Do you want to be dull and boring and servile like everyone else? Or do you want to break some rules? Répondez-moi franchement, vous voulez vraiment d'une vie ennuyeuse et stérile? Putain. Voilà, je vous descends tout de suite, on gagnera du temps. Je me dis que il y a elle va être utile quoi. Et de là à s'en tirer et remplir la mission pour l'autre. Mais je pense que si je l'aide, c'est un peu coincé et que bah je pourrais pas aider l'autre parce qu'il va pas. Voilà, il va pas accepter que je l'aide quoi. C'est un peu manichéen, j'ai l'impression. Et du coup, je l'ai tué. Non, franchement, je sais vraiment pas, c'est horrible. Bon, après, si on essaie d'être cohérent, j'ai quand même éteint Edgewater, coupé l'électricité à Edgewater. Du coup, je suis plus des petits que des grandes structures, donc je vais l'aider. Bon, mon personnage va l'aider. Non! I'm in your debt. Vous êtes qui vous arrivez, merci, je vous donne une chance en dette. N'arrivez pas tôt, je ne ferai pas ça gratuitement. On my honor, you will be well rewarded. Votre récompense sera à la hauteur de vos efforts, je promets. Ok. Take your time. I am bon appétit, Naku. Merci. Qu'est-ce qui te rapporte de la tuer et pour quelle raison est-ce que tu t'es pointé sur cette palais? Car t'as la quête des scientifiques à faire, mais aussi la raison originale de pourquoi t'es venu à Roswell. Oui, certes. Après, l'histoire, c'est que tu peux avoir ton perso qui soit carrément individualiste, qui fasse ce qui l'intéresse, hein, sans oublier ses objectifs prioritaires, quoi. Ok, donc là, il y a quoi? Oh, punaise. The beating heart of progress can at times be grotesque to witness. Mais de toute façon, j'ai choisi de l'aider par rapport voilà, à une logique globale de roleplay de personnage. Donc, après, quand même, bon, j'étais un peu plus sceptique par rapport à son comportement parce que bon. Elle a vraiment agi comme comme elle aussi comme une égoïste quoi, elle a tué des gens quoi, juste tué des scientifiques qui eux n'avaient rien demandé quoi. Donc bon, il y a le fond et la forme quoi. Si peut-être sur le fond, elle a sans doute raison. Sur la forme, bon, c'est un peu à chier ce qu'elle a fait. Masse du vortex. Alors, le terminal. Science 50, recalibrer l'expérience. Ah putain, j'ai bien fait de booster ma science. Hein. Donc, réalisation du cycle, test terminé. Production muscle de rapidon 50 ml. Consulter le registre de l'expérience. L'extraction du muscle se déroule sans accroc pour le moment. Les niveaux de pression semblent constants. Et les variations observées dans les échantillons restent inférieures au seuil de tolérance. Je trouve que les rapsis puaient déjà la mort, mais c'est encore pire à l'intérieur.
Quelque chose me dit que tout le monde va éviter soigneusement mon labo jusqu'à la fin des autopsies. Une seconde, il se passe quelque chose dans le couloir. L'alarme s'est déclenchée. Je parie que c'est un de leurs futurs exercices. Je vais aller voir. Bah, visiblement, non. Alors, attendez. Et est-ce qu'il y a un impact concret sur... Attends, je suis trop lourd, ça y est. Putain, je suis lourd, les gars. Je suis lourd. Aïe, aïe, aïe. Bon, on finit cette quête et après, on retourne à l'intérieur de l'imposteur. Il y a elle là-bas. Attendez. Elle est d'accord que je peux pas encore la libérer. Ah, il faut que je fasse le tour, d'accord. J'aime trop la porte qui se referme sur elle, quoi. Vraiment aucun respect. Bon, j'ai oublié de viser les parties hein, avec le Svav. L'autre, je lui ai dégommé la tête. Alors, là, il y a encore un truc. Alors, le terminal. Message. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On a un problème de Sprat. Côté ces petits monstres qui grignotent nos câbles. Le système de ventilation est à chasse pour le moment. Si vos raptidons sont de mauvais poil, vous allez devoir les mettre sous sédatif manuellement. Portez quelques bonbons de gaz sédatif. Et reliez-les au terminal auxiliaire dans la salle de recherche. La bonne nouvelle, c'est que mes chers marteaux d'Ephaïsto sont démolis vos rangers de Rizzo adoré. Ok. Je vous en prie de m'expliquer la catastrophe absolue que j'ai actuellement devant moi. J'ai un formulaire autorisant le déplacement de notre mère Raptidon vers la salle principale. Un formulaire que vous avez signé. Premièrement, l'intégrité structurelle de nos réservoirs Raptidon est loin d'être suffisante pour résister à une mère. Deuxièmement, chacun sait que les Raptidons forment une espèce territoriale très protectrice envers ses petits. Arrêtez-moi s'il y a trop de chiffres pour vous. Je dis ça parce que vous avez manifestement un souci avec l'arithmétique de base, vu que vous n'avez pas l'air de comprendre un calcul aussi simple que mère Raptidon plus réservoir à Raptidon égale massacre. Bon, je peux aller ici, alors attendez. Où je fais d'abord. Non, j'ai quand même déjà récupéré ici. Attends, par contre, il faudra que je trouve un truc pour me décharger. Rapidement. Allez, attendez, il y a du monde. Putain, ah, j'ai pas vu qu'il y en avait autant. Et voilà, niveau 14. Quel talent! On va voir ce qu'on peut mettre. Alors, hop. Ah, en plus, on a des avantages. Donc, pour le moment, je vais booster. Ouais, je vais booster la science au moins jusqu'à 60. Hop. Ben, 61, c'est bien aussi. Persuasion, dialogue. Est-ce que. Pour moi, je vais booster également dialogue. Hop. Voilà. Attendez, science jusqu'à 60 et dialogue. Voilà. Tac. Alors, avantage. Donc, 60% de la réduction. Ouais. Restauré par ennemi tué. C'est pas mal. J'aime bien tout ce qui est justement DTT. Bonus de dégâts de tir à la tête sur les points faibles. Ça, c'est pas mal aussi.
Portée de mise en surbrillance des interactions possibles. Ouais. Prix d'achat des marchands. De rachat des marchands. On a quoi? Compétence de dialogue. Ah, c'est pas mal ça. Troupeau de mulets. Ah, j'ai bien envie de booster la capacité de transport. Ah, mais c'est pour les compagnons. Ouais, nul. Ah, nul. Réduit considérablement le poids des consommables. Rend un peu de santé à chaque fois que vous tuez un ennemi. C'est pas mal aussi. Tuer un ennemi réduit le temps de rechargement restant d'une capacité de compagnon. Et ben, je dois vous avouer que j'hésite un petit peu. Compétence de dialogue, c'est pas mal. Poids des consommables aussi, c'est pas mal. Alors, attendez, poids des consommables. 33, je sais pas combien j'ai en termes de poids là-dedans. Est-ce que c'est worth? Le boost des compagnons, c'est quand ils sont avec toi. Ah, ben c'est... Ah, c'est pas mal ça. Donc ça fait 80. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Plus 10 dialogues, déconne pas. Sinon, il y a aussi bonus de dégâts de tir à la tête. Hein. J'hésite. Je passe du coup de 170 à 250. Après, bon. Ça demande juste de faire un peu de tri, quoi. Ah, je peux ajouter ça au rebut. Ah, mais attendez, je viens de découvrir un truc. Parce que ça me permettra de faciliter le tri. Merde. J'ai récupéré plein de trucs inutiles. Ça, j'ai le même. Je sais plus, j'hésite trop. Sinon, je prends le tir à la tête, hein. Après, dialogue aussi, ça donne de l'XP, hein. Je suis à combien en compétences? En dialogue, 33. Dialogue ou le poids. Dialogue, bon. Tout le monde dit dialogue, je me fie à ce chat parce que il n'y a rien de plus beau que la démocratie. Attendez, on va fouiller tout ça. Ils ont le sang bleu, hein, ces petites bestioles. Un petit lance-flamme. Ah, voilà, un petit lance-flamme. Bon, je vais essayer de prendre trop de pas trop prendre de la merde. Coucou. I would ask what was on your mind. Ce que vous avez en tête. Reviendra. J'ai envie de lui foutre une balle dans la tête. Ah moi, diplomatie certainement pas. C'est surtout intimidation. Après, de toute façon, c'est tous les deux niveaux les avantages. Ça devrait aller vite. D'ailleurs, je sais pas le niveau max que ça qu'on a dans le jeu. Déjà, si y a un niveau max. Hein. Et puis je trouve que c'est fun de marcher de FPS. Par contre les adrénaux, ça y est. À un moment j'étais un peu just là. Franchement. Ouais, mais oui, je suis d'accord.
Mais toi avec moi, intimidation, c'est pas... Putain, y'a un ennemi. Putain, ok, on va prendre l'ascenseur, les gars. Ah oui, les fameux malus. D'ailleurs, je sais pas si c'est worse de ce système de malus avantage. Quoi? Quoi? Pourquoi je me prends du poison? Suis pas d'accord, hein. Ah, bonjour les gars, comment ça va? We saw everything. Qu'est-ce que t'as? You must think me a fool. I was watching on the security Ah ben cameras. You voilà. got downright friendly with the outlaw leader. Non, c'est I reckon faux. we got nothing to say to each other. You best back Quoi? yourself out of Tu parles here. comme ça, toi? Nice and slow. Pas la peine de prendre. Oh. Parce que moi, j'ai franchement, je t'avoue, j'en ai pas pris, j'ai vraiment trop peur. Vous avez vraiment envie de jouer avec ça avec moi? I don't want to take anyone on today. I'm just doing my damn job. Le porteur, tu m'as saoulé, hein. Putain, j'ai pas assez de dialogue. Je peux pas persuader. Et oh, la loi veut juste repartir d'où ils sont venus, laisser les faire. Tell your friends there's just two ways out of here. A cell. Or a box. Ah ouais? Ah ouais? Want me to run you in? Ah ouais? Ben on dirait que j'ai d'autres solutions. Ah bien sûr. Ça fait mal de vivre sans toi. Ah, je suis coincé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a dérapé. Ça a dérapé, monsieur. Finalement, un dialogue, c'est bien, hein. Ça évite de faire ça. Non, mon choix est fait, mon choix est fait. C'est de l'encre noire sur notre histoire. L'amour n'a pas de loi, non, non, non. Attendez. Attendez, faut que je passe par où, moi? Ah, là, il y a un établi, on va pouvoir se vider. Non, je peux pas vider, il n'y a pas un distributeur. Merde. Bah, je vais démanteler, hein. Je vais démanteler. État. Où est-ce qu'on voit la valeur 9 comme nu? Putain, j'ai oublié chaque fois de faire un truc. Ouais, je vais mettre ça pour le corps à corps à elle. Le vicaire. Voilà, hop. Normalement, je suis mieux en termes du démantelage. Tac, hop, tac.
Allez, go. Ah, je suis toujours loin. Ah, bah, super. Ah, ma réputation avec les factions, ça donne quoi? Bah, ça donne quelqu'un qui est... qui apprécie tout le monde, quoi. Regardez. Les déserteurs, ils m'adorent. Spacer Choice, ils sont méfiants. Et Tati Cléo, elle est en colère. Je trouve que c'est plutôt worse, hein. Et je suis ami avec les précurseurs. Quoi? Ouais, non, je trouve que c'est worse. Si t'as à refaire, je le referai. En plus, oh, il m'agresse direct, quoi. Le gars, il cherche pas à comprendre, quoi. Il a juste peur de son... de perdre son boulot, quoi. Excuse-moi, mais quelle indignité. Alors, attendez. Je peux... Ah ouais, par ici. Tac, tac, tac. Ok. Ouais, j'ai choisi de couper le courant à Edgewater. Et j'étais avec les désertures. Et on l'a beaucoup reproché. Hein. Sheikh Alberet qui m'a dit c'est pas bien ce que tu fais. Y a des gens qui ont leur emploi. Voilà. T'es vraiment un aimant de connard, quoi. Mais je suis fier de ce que j'ai fait. Elle a pas dit exactement comme ça. Hein. Mais c'était l'idée un peu, j'ai l'impression. Alors, est-ce que. Bonjour. I would ask what was on your mind, but the answer is obviously me. Ce serait drôle. Ok, d'accord. Attendez, comment je fais pour la sortir? Ask away. I have got nothing but time. Le chef des déserteurs t'avait donné son secret de l'engrais pour faire pousser les plantes. Je me rappelle plus ça. Mais chaque voilà. J'ai été retourné les voir et il me disait ah vous êtes bien sympathique. Qu'allez-vous faire de ces recherches? Sell it, of course. I don't have any use. Putain, c'est une pute. Idiotic scientists, but whoever gave me this tip obviously does. Assuming I make it out of this place. Elle a fait tout ça pour les vendre. And with my ship out of commission, I'll have to leave on foot and hope my luck changes. One problem at a time, I suppose. Putain, mais je vais lui foutre une balle aussi. Je me sens trahi. Tati Cléo, pardonnez-moi. Attendez, comment je fais pour attendez, je vais voir les rapidons ici. Go la buter. Ouais. Non, j'ai pas envie de me mettre mal avec tout le monde. Non mais c'est quoi cette vieille arme? Est-ce que ce monde est sérieux? Les raptitons. I'll keep quiet. Superbly executed. Mais ils m'ont pas vu, c'est impossible qu'ils me voient. Watch out. Bien joué les gars, vous êtes bien battus. J'ai défoncé. Oh, wow. Bah ouais, au début c'est ce que je voulais faire, mais... mais c'est pas très... C'est pas digne de quelqu'un qui va... Oh, un petit caca de reptidon. Ah, il faut bien observer la texture du caca. Ah, c'est... on y croira. Regardez-moi ce caca. Ce caca, il est magnifique. On va marcher dessus, ça nous porte très bonheur. J'ai pas quoi. On m'en demande trop, hein. Putain, j'ai loupé plein de quêtes en fait. Mais pour. Ah, mais du coup, toutes les quêtes que j'ai fait, couiller la baie quoi. Oh là 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 là, quelle erreur. Récupérer les schémas d'Orson. Putain, mais j'avais fait plein de quêtes.
Putain, tout ça c'est à cause de vous, hein. Tout ça c'est vraiment à cause de vous, hein. J'espère que vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Ah, mais ils me disent facultatif, éliminer les raptidons. Ah, toute cette XP est gâchée par votre faute. Ah, ça me désole. Je rigole, hein. Je rigole. Je vois des gens s'indigner sur le chat. Je rigole, hein. Dans le cul. Il est parti chercher des fruits pourris. Allez, on se calme, hein. Bonbonne de distribution de gaz 0 sur 3. Mais ça, c'est les mêmes messages. Ah, c'est les mêmes messages, quoi. D'accord. Bon, mais il faut que j'aille où? Parce que là, j'avance, j'ai pas l'impression d'avancer, hein. Ah, il y a un truc là, pas loin. Il y a un truc. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça. Pour les endormir. Avant de les tuer. Ah, c'était donc ça. Ah, je comprends. Ça va, ils vont dormir. Je pouvais pas faire ça, ils allaient m'attaquer forcément. Bien sûr. Non. C'est bon, tout est ok. Le gaz est ventilé. Éliminer leur la loi. Putain, mais je peux pas tout faire, moi. Je peux pas éliminer les raptidons et les hors la loi. Et aussi cette. Cette vieille bique. Attendez, 26, 24. Il y a un truc à faire là-bas. Ah. I would ask what was on your mind. Ah, bah, arrête de me dire ça par contre. Hein. Du coup, tu peux sortir? Je reviendrai. Putain, mais comment je suis fait pour la faire sortir? Carte d'accès au laboratoire secret. Ah, il faut que je trouve ça. Faut que je trouve la carte d'accès au laboratoire secret. Je suis perdu, hein, si vous posez la question. Oui, je suis perdu. Putain, mais toutes ces quêtes. Allez, avançons un peu. Attendez, mais normalement j'aurais dû récupérer la carte d'accès. Ils ont dit sur les raptidons. J'ai fait ça. J'ai fait. Je l'ai fait, je vous jure, je l'ai fait. Je vous jure, je l'ai fait. Je sais où je suis pas allé. Attendez, je vais revenir sur mes pas. Bon, on va pas tarder à s'arrêter, hein.
Je vous avais annoncé un live un peu plus court aujourd'hui. 2 heures. C'est par où la sortie? J'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi dans cette quête. Hein. J'étais un peu... J'ai déliré. J'ai eu un coup de folie. Tout ça parce que l'autre il m'a mal parlé. Hein. Ah. Voilà, c'est par ici. Du coup, il faut... Attendez. Ils sont pas censés être ventilés, eux. Ah, distributeur. Vendre le rebut. Pourquoi je surtaxe? Ah, mais c'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse tout ça. T'as regardé, j'ai plein de merde aussi. J'aurais juste les bonus, hein. Attends, poids. Ah, c'est lourd, hein. Mais c'est pas mal. Non, mais parade. Non, ça c'est nul. Piratage plus 7, c'est pas mal. Arme longue, c'est pas mal. Non, piratage, on s'en. Ça c'est nul. Nul! Nul, nul. Voilà. It's Pacer Choice! Est lourd. Moi j'ai toujours pas trouvé ma carte, hein. Exit. Ah non, c'est la sortie, les gars. Bah, c'est par là. Du coup, il doit avoir cette histoire de matriarche. Hein. T'as encore un distributeur? Ah là, ça doit être son bureau à lui. Ouais, paye ton bureau, quoi. Il a rien, ce con. Putain. Ben ouais, mais j'ai pas récupéré ces trucs. En fait, c'est ça que je comprends pas. Putain, je suis de retour lourd, quoi. J'ai dû faire une mauvaise blague, je suis lourd. Après, logiquement, ouais. Elle devrait être ici. Console de sécurité. Éliminer leur la loi. Console de sécurité. C'est là, il faut que j'aille. Là, il faut que j'aille au bureau d'Anton. Ben non, c'est pas ce qu'ils disent dans la quête. Alors putain, par contre, ils sont bien gentils. Du coup, je suis obligé de passer à la souris, c'est ça? Éliminer la loi, dégager une sortie. Éliminer les raptidons. Récupérer les recherches. Donc ça, j'ai pas fait. Vous allez devoir trouver une carte d'accès pour dévorer la porte de son enclos. Éliminer soit les agents de la sécurité étatique Léo près de l'entrée.
soit les raptidons. Donc non, j'avais pas un truc spécifique sur les raptidons qui me disait de pas les... Ah non, mais ah d'accord. En fait, il manque juste elle. Et vu qu'on doit la sauver, donc ok, il faut juste trouver la carte d'accès qui est là-bas. Alors, on va y arriver, hein, on va y arriver. Hein. Vous inquiétez pas, tout est calculé. C'est pour le divertissement. C'est dans le dialogue avec Anton. Anton, donne-moi la carte de sécurité, s'il te plaît, mon petit Anton. Mais ça, j'ai pas fait. Ah mais non, parce que j'avais pas la carte de Parker. Ah, tout s'explique, tout est sous contrôle. Voilà, bureau de Porter qui nous a quitté. Porter nous a quitté, donc là je vais pouvoir avoir imprimé la carte d'accès. Ok, c'est bon, tout est sous contrôle. T'as tué aucun raptodon? Ah, bien joué. Bien joué, moi j'ai... Fuck le système, bravo. Mais tout, quand même, tout cet XP perdu, c'est triste, hein. Moi ça m'aura... J'ai mal au cœur. Bon, on va aller voir la loi. Ah, mais ça... Putain, j'ai failli oublier ça, quoi. Mais quel nul! Ouais, moi je suis pas très distrait. Je suis plutôt la bagarre en fait. Je viens de me rendre compte que j'étais plutôt la bagarre. C'est où? C'est quoi ça? Je suis perdu. T'as tout revendu au marché noir. Ah ben, ah, c'est pas con ça le marché noir. Peut-être qu'elle pourra nous donner, nous filer des trucs. Allez, on va la faire sortir. Ah, je comprends. Moi aussi, ça. J'ai eu un coup de folie et du coup j'ai tué tout le monde. I would ask what was on your mind. Ah mais calme-toi. Ah d'accord. Je reviendrai. C'est où le truc pour ouvrir la porte? Comment on fait pour ouvrir sa porte à elle? Moi je crois que je vais être un rebelle. Attendez, par où il faut que je passe? Ok, par ici, tac. Mais ça, c'est depuis que j'ai fait Tyrannie, hein. Ça m'a profondément perturbé, hein. Je suis devenu quelqu'un de particulièrement violent. Allez, on va l'ouvrir. Doudoudoud. Eh oh, enfin. Non, je peux lui parler. I've never been so pleased at the sight of an open door. Eh ouais. Please tell me you've cleared. Bien sûr. J'ai dégagé les deux issues possibles, j'espère que je n'aurai pas à le regretter. So you have. I am much obliged. And now, if you do not mind, I have had quite enough of this wretched place. Alors, vous allez me remettre les recherches volées maintenant. Oh, really? And why? Putain, je vais la buter. Would I do a thing like that? Mais non, mais... Putain, mais j'ai pas cette compétence. Du coup, je vais lui mentir, quoi.
Damn and blast. I should have seen this coming. Here. Ah là, je préfère. Damned research. Tell Crane I hope he chokes on it. Je ne vous ai pas sauvé la vie pour vos beaux yeux. Good. I never trust a freelancer who works for free. Ah, retournez voir Gladys au précurseur. Allez, Cassandra. Tiens, ça veut dire quoi le petit symbole à côté de la discussion? Allez, Cassandra, soyez généreuse, pensez aux orphelins. Cassandra, est-ce que tu connais Twitch Prime? C'est quoi le petit symbole là? Il y a un petit symbole avec le plus. Plus, plus, plus. Que tu reçois l'aide d'un compagnon. Ah, voilà. Très bien. Ah, donc je reçois l'aide d'un compagnon, d'accord. Tu baisses en appréciation auprès de la faction. Oh, c'est compliqué. Bon, moi, je vais faire la persuasion. Ça, j'aime bien cette phrase. Orphans. Is that what you are calling yourself now? Here. Let it never be said that I do not reward good work. Combien? 625? C'est un peu crevard, non? Donc, ok, maintenant, il faut que je parle à Anton. Je parle à Tonton. Du coup, je peux me TP ou pas? Ah non, je peux pas me TP parce que je suis lourd. Je suis trop lourd. Putain. Ah non, je l'ai pris le truc. Non, je crois que je l'ai pris. Dites-moi que je l'ai pris. Non. Non. Oh, attendez, j'arrive. Hein. Je suis un peu lourd, mais j'arrive. Et par tous les chemins, j'y retournerai. Il est où Anton? Je pense qu'il y a Anton, il va être fier de moi. Je vais quand même ramener les recherches, hein, c'est ce qui compte. Putain. Mais je pense qu'on parlera en ton pour le prochain stream. Ça me paraît bien, ça c'est du clé. C'est où la sortie? Ah, c'est là-bas, je vous ai marqué exit. Exit les poils qui sèchent. Bon. 21h. Je vais faire ma petite sauvegarde. Et du coup, on y aura parlé à Anton. Alors, sans doute pas jeudi. Ou alors, jeudi sera encore un petit stream de 2h. Sans doute vendredi, on ira parler à Anton. C'est le chef Anton de Masterchef, exactement. Ah, notre maître cuistot qui a la référence, Albert, bien joué à toi. C'est exactement ça. Chef Anton. On ira parler à Chef Anton et son. Mais d'ailleurs, Anton, avec le dentifrice coupe fin, je pense que c'est lié ça aussi. C'est pas fait par hasard. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce stream. Je vous invite, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, à rester. Pendant encore 30 secondes, pendant une minute, pour les pubs. Voilà, du coup, ça permet de rémunérer un petit peu. Sinon, on se donne rendez-vous très prochainement pour la suite de Outer Worlds. Je pense qu'on se fera du Fallen Order quand il sortira mi-novembre. Donc, on va un peu booster tout ça. On va essayer de le finir pour avant mi-octobre. Je pense que le jeu n'est pas très long, donc on devrait y arriver. Donc voilà, je vous fais des bisous. Profitez bien. À la prochaine. Ciao.